Je m'appelle Clara et je suis française. Et j'habite à côté de Paris et je milite à la Marche mondiale des femmes à Paris. Et ben, là, j'ai un pins que tu peux regarder où il est marqué « Feminism is the radical notion that women are people ». Et je trouve que ça dit assez bien qu'est-ce que c'est le féminisme. Le féminisme, c'est un projet pour les femmes, mais aussi un projet vraiment pour les êtres humains. L'idée que on se bat contre l'oppression qu'on vit en tant que femme, on se bat contre la guerre, le capitalisme, la misère, la façon dont le système nous opprime, les violences. Et on se bat pour un projet qui est de changer radicalement la façon dont on interagit les unes avec les autres, les femmes avec les autres femmes, et les femmes avec les hommes, et aussi avec les enfants, et sans doute aussi avec les animaux et la nature, et les relations qu'on a avec le monde qui nous entoure. Moi, je suis active à la Marche mondiale des femmes à Paris depuis 2 ans, et je fais plein de choses parce que je suis vraiment convaincue que dans le monde globalisé dans lequel on fonctionne, c'est le même système qui nous opprime ici, là-bas, en France, au Brésil, aux Philippines, au Congo, etc. Et qu'on a besoin de connaître les expériences des autres femmes. Et qu'on a besoin de la sensibilité et la façon qu'on a dans différentes cultures, dans différents milieux, de tenter ces relations-là différentes et la façon dont on a d'essayer de fonctionner différemment, quoi. Et je pense que c'est pas seulement que c'est sympa de rencontrer des femmes d'ailleurs, mais que c'est absolument nécessaire de partager ces différentes expériences-là. Et c'est pour ça que je trouve que la Marche mondiale des femmes est vraiment un super beau projet, et que c'est vraiment un challenge d'arriver à être en lien et avec tout le travail qu'on fait chacune dans nos vies, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos campagnes, dans nos villages, dans plus de ce travail-là, et d'aller aussi vers des femmes loin, et en particulier dans un monde où à la fois on peut plus facilement communiquer avec Internet, ou que prendre l'avion est sans doute un peu simple, et en même temps, comme activiste, comme femme de la base, on est souvent très occupé et souvent pas très riche, et entre le travail ou les études ou les familles dont on s'occupe quand on a des personnes dont on s'occupe, c'est beaucoup de choses, mais en fait ça c'est à la fois comme un travail en plus et en même temps une grande façon de se renforcer.